de nous parvenir. Suivez. Numéro 21-003, PRG, CNRD, SGG, portant habilitation de la Haute Autorité de la Communication à poursuivre ses activités. Le Président de la République, vu le communiqué numéro 01 du Comité national du Rassemblement pour le Développement du 5 septembre 2021, portant prise effective du pouvoir par l'armée. Vu le procès verbal de réunion numéro 001 du 16 septembre 2021 du Comité national du Rassemblement pour le Développement, faisant de cette structure l'organe central de décision et désignant le colonel Mamadi Doumbouya, président du dit comité, président de la République et chef de l'État. Vu la loi organique numéro 2020-0010 de l'Assemblée nationale du 13 juillet 2020, portant attribution, composition, organisation et fonctionnement de la Haute Autorité de la Communication, ordonne, article 1er, la Haute Autorité de la Communication est habilitée à poursuivre ses activités de régulation en veillant au respect par les organes de presse des obligations prévues par les lois et règlements en matière de communication. Article 2. La présente ordonnance qui prend effet à compter de sa date de signature sera enregistrée et publiée au Journal officiel de la République. Conakry, le 21 septembre 2021. Le président du CNRD, président de la République, chef de l'État, colonel Mamadi Doumbouya. Communiqué numéro 35. En référence au communiqué numéro 19, relatif à l'évaluation de la situation sécuritaire et sanitaire au niveau de nos frontières terrestres, et vu les différents rapports fournis par les acteurs concernés des régions de Kankan et de Farana, le président du CNRD décide la réouverture de la frontière guinéo-malienne à partir du mercredi 22 septembre 2021. À cet effet, il instruit aux services sanitaires ainsi qu'à l'ensemble des forces de défense et de sécurité d'accroître la vigilance et la rigueur au niveau de tous les points de sortie et d'entrée. La réouverture des autres frontières fera l'objet d'un autre communiqué. Conakry, le 21 septembre 2021, le président du CNRD, président de la République, chef de l'État, colonel Mamadi Doumbouya. L'avènement du Comité national